bien, après les élections, le scrutin du Conseil municipal des jeunes enfants, aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir dans cette salle du Conseil municipal l'installation donc de ce Conseil municipal des jeunes enfants. À la fois une fierté d'être, de voir eh bien, la jeunesse qui, allez, on va dire qu'il reprend le flambeau, parce que s'ils sont élus, eh bien, c'est qu'ils ont des projets pour leurs camarades, pour leur école, mais aussi pour la ville, et c'est comment les rendre citoyens, acteurs de leur ville en fonction des projets qui leur sont propres. J'aime bien le CFJE parce qu'il regroupe plusieurs personnes et c'est une nouvelle expérience pour moi. Une fierté particulière puisque il y a 19 ans j'étais l'un d'entre eux, à 9 ans, représentant l'école Saint-Michel. Donc une fierté, encore une fois, de pouvoir passer le témoin à cette jeune génération, pleine de projets. Pleine d'envie, puisqu'ils l'ont exposé avec un certain nombre de thématiques, que ce soit la qualité de vie et l'environnement, la communication, l'aide aux personnes, l'aspect humanitaire. Ils ont beaucoup de problématiques aujourd'hui en tête et on va les aider à pouvoir les réaliser, à pouvoir les résoudre tous ensemble. Mes projets, c'était... le ramassage des déchets, la protection des animaux et replanter des plantes. Et encore une fois, ça prouve que nous sommes dans la démarche de l'accompagnement citoyen de notre jeunesse et de favoriser la démocratie participative. Donc merci encore et à l'année prochaine pour la poursuite des actions et à l'année d'après pour la tenue d'un nouveau scrutin et l'intronisation d'un nouveau conseil municipal des jeunes et des enfants. À bientôt.